Hey yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Multiversus. Aujourd'hui une petite vidéo, alors ça fait 4 fois que je fais la vidéo. J'espère que cette vidéo tournera bien, parce que clairement, entre les joueurs qui sont niveau 12 contre un niveau 4, moi j'appelle ça pas du fair play. Mais bon, ça c'est qu'une bêta. Alors oui, le jeu est en bêta. Le petit développement est que bah, c'est tout ce qui est dessin animé, donc piste 1, Multiversus. Donc, comme vous le voyez, je suis avec Wonder Woman. Vous pouvez, alors bien sûr, je vais vite refaire, voilà. Donc la petite collection, donc il y a plusieurs petites choses, donc plusieurs petits personnages. Donc souvent avec Superman et Wonder Woman. Vous avez le pass de combat, vous avez, alors pour le moment, tout ce qui est bien, tout ce qui est, alors ça je pense que ça sera des teams et ça sera la boutique. C'est pas encore disponible parce que vu que c'est la bêta, je pense que voilà. La Clearwater, donc ça c'est les petites notifications du jeu, vous avez les paramètres qui sont là. Le labo de combat pour vous entraîner, la partie personnalisée entre amis et le tuto avancé parce que vous avez le tuto du départ qui sont basiques et vous avez le tuto avancé pour, voilà, pour vous entraîner un peu plus, donc c'est plutôt sympa. Donc on va faire une partie, donc 1v1. Alors bien sûr vous avez plusieurs personnages, vous pouvez les acheter à partir des pièces que vous avez là, de l'or. Donc là normalement j'ai 14 pièces, normalement c'est 200, 300, putain c'est 300 le... 1500, 5000. Là vous avez des personnages, de toute façon vous avez déjà des personnages débloqués, donc vous avez les tanks, vous avez tanks, cogneurs, assassins et mage, ouais c'est mage, donc plutôt cool, et soutien bien sûr, les soutiens qui sont clairement très mignons pour certains, mais d'autres ressemblent pas du tout à ce qu'on pourrait croire. Qui c'est qu'on va prendre? J'ai bien envie d'économiser pour me prendre... Alors peut-être pas Batman parce que clairement je suis tombé sur un joueur, il était déjà niveau 12, le gars il fait que ça. Bah je suis Calicone là au-dessus, donc voilà. Merci au gars qui était niveau 12 contre un niveau 4, hein, franchement. J'appelle ça pas du fair play sur un jeu comme ça, mais bon, c'est pas trop grave. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des trucs à débloquer. Donc voilà, c'est le truc qui est un peu chiant. Donc on va prendre Superman en espérant que, voilà. Donc ouais, parce que vous avez des capacités qui vous débloquez au fil du temps. Ah bon, voilà, c'est niveau 6. C'est un peu plus fair play, on va dire. Donc vous avez des trucs qui se débloquent en fait, qui sont là. Et vous pouvez avoir des atouts. Donc bah bien sûr, c'est un peu plus compliqué quand des personnes ont des atouts plus costauds, quoi que ce soit. Donc un niveau 4 contre un niveau 6, ça peut aller. Mais par exemple, un niveau 4 contre un niveau 12, il avait déjà tout débloqué au niveau du machin. Donc c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, donc voilà quoi, c'est... Alors Superman, il est, on va dire que c'est une catégorie où, voilà, c'est pas très simple à manipuler, mais voilà. Alors les endroits où vous attaquez sont différents. Hold still.
femme. Dépêcher, parce que ça sert à rien. Alors je ferai peut-être ça en live, hein. Je pourrais refaire des lives. Je vais... Je sais pas du tout. Ouais, je vais prendre Superman quand même. Pourquoi je m'habitue à lui. I won't let you down. Manoir hanté de Scooby-Doo. Ah, on change. Là, celui-là, je l'avais jamais eu. Alors oui, alors comment j'ai su ? Ils sont marqués au-dessus. Au-dessus, en haut à droite. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, ce qu'ils devraient rajouter dans le développement du jeu, c'est par exemple un panel où on peut dire bonne chance ou un truc comme ça, et qui pourrait être sympa. Qui pourrait être sympa. Un truc avec un panel où on peut dire bonne chance ou... Alors bien sûr pas des insultes, mais par exemple bonne chance, voilà un truc, voilà attention, je suis pas habitué ou des trucs comme ça pour les nouveaux joueurs ou les trucs comme ça. Ah, par contre là. Attends, mais ah putain. I'll give you that, Quinn. Match point! Blue team! Wow, that's friggin' good, you know? Qui font que on peut tomber.
j'arrive pas, les lasers. Allez, grimpe. Coming at ya. Bon bah voilà. Alors c'est quand même chaud parce que même si on tombe sur un gros niveau, ça peut être très très chaud. Clairement là bon, il était beaucoup plus haut que moi, mais quand on arrive à minimum gérer, je pense que certains personnages sont mieux que d'autres. C'est quoi ça? Nice. Voilà, donc un petit bonus. Donc je vais pouvoir me prendre un joueur. Ça c'est plutôt cool. Donc un progression. Voilà. Avec 100 coins, avec un peu d'or. J'ai fait aussi ça. C'est plutôt cool. Donc voilà, deux progressions. Et on monte avec le Game Pass. Donc ça, bon, bah le Game Pass, moi j'ai que le normal, hein, parce que pour le moment, vu que c'est qu'une bêta, ça sert pas à grand chose. Mais c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'on peut tomber sur des personnes qui peuvent être cool. Donc c'est vrai que ça peut être sympa. Je vais prendre un personnage. J'ai 200 pièces. J'ai pas envie de prendre un personnage. Alors oui, alors là c'est 300, je suis un peu dégoûté. Harley Quinn. Alors je pense que beaucoup de personnes vont prendre Harley Quinn et Batman. Le souci c'est que j'ai pas trop envie de jouer trop super héros pour que ce soit. Nous avons Taz. Bunny niveau combien? Bunny niveau de... Okay. Mage. Mage. Ok, Vera 200. Et assassin, combien c'est? Ok. Cher pour des assassins. Arlequenzel, assassin. Assassin, ouais, c'est vrai que... Un jour de basket. Cogneur, ça c'est... Cogneur, j'ai qui en cogneur? J'ai elle. Je serais plus tenté Samy quand même. Obtenir 3 assassins. Débloquer projectile de bouclier de Wonder Woman. Utiliser 50 attaques de corps à corps. Ok. Parce que de toute façon, Batman, si, il est 200 pièces. 200 pièces. Je sais pas qui prendre. Le truc, c'est que elle est stylée. Mais bon, c'est une expert. Donc ça a l'air très très compliqué. Je vais prendre dans les cogneurs, je pense. Soit Tav. Soit Batman ou soit le joueur de basket. Expérimental. Ah ouais, là faut essayer. Ah oui, d'accord. Faut savoir jouer. Les soutiens, il y a quand même pas grand chose en soutien. Sélectionne un combattant aléatoire. Ok. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vous laisse choisir entre Batman, Taz et le joueur de basket. Je vous laisserai mettre dans les commentaires qui sont en bas en dessous. Et je prendrai dans la prochaine vidéo le personnage attitré que vous m'avez demandé. Alors bien sûr, ceux qui ont le plus, avec soit les pouces ou les commentaires. Et je prendrai le personnage. Alors bien sûr, je prendrai celui que vous me demandez, mais faut que ça soit au niveau Batman, Taz ou le joueur de basket. Je vais vous laisser sur ça, les amis. C'était Drac Survie et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.